Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Sophie. Aujourd'hui on va aller promener dans une forêt qui est aux abords de la ville d'Épinal dans les Vosges. Je viens dans cette forêt aujourd'hui parce que j'avais des courses, des choses à régler sur Épinal, des papiers administratifs et tutti quanti. Donc là je profite. Comme je suis sur place, je vais faire mon tour que j'aime bien faire dans cette forêt-là et je vous montrerai les plus beaux endroits que je connais ici dans cette forêt. A tout de suite! Ici, c'est un coin sympa. Il y a plein de cabanes différentes et on va aller en visiter une. Je vous laisse admirer la vue. Ce que je trouve marrant dans celle-là, c'est qu'elle est en hauteur et on a l'impression d'être perché dans sa tour de garde à pouvoir surveiller tout ce qui se passe dans le parc. Celle-là aussi, je l'aime bien. On va aller la visiter. J'aime bien venir m'y cacher parce qu'on est tranquille pour pouvoir observer la faune et la flore. Et en automne, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir admirer les écureuils parce que à ce moment de l'année, ils viennent ici ramasser les pommes de pin. Et moi, je me cache en silence et j'ai le choix entre plusieurs fenêtres pour pouvoir les observer. Mais là, en hiver, il y en a un petit peu moins. Ce chemin, il va mener à un sentier dans lequel je vais vous emmener tout à l'heure. Il est longé par un ruisseau et tout le long, on entend le son du ruisseau. Ce qui est super agréable quand c'est l'été et qu'il fait tellement chaud. Et cet endroit, en fait, le ruisseau, je trouve qu'il confère une ambiance assez particulière à la forêt. On va aller voir aussi d'immenses rochers. Parfois, quand c'est l'été, j'aime bien carrément enlever mes chaussures quand je viens dans ce sentier. Parce que ici, c'est que des épines de sapin. Et quand on marche dessus, c'est tout doux en dessous des pieds. On a l'impression de marcher sur un tapis parce que c'est tout mou. On sent quasiment comme si on était sur de la mousse. La première fois que je suis venue dans cet endroit, en fait, j'avais pris chemin totalement par hasard. Et je savais pas du tout à quoi j'allais
je devais m'attendre. Et en fait, j'ai eu une très belle surprise parce que j'ai découvert un rocher en forme de tête de grenouille. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ce sentier le sentier de la grenouille. Notre promenade est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. La prochaine fois, je penserai à brancher le son sur ma caméra. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.